Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve encore pour un haul action. Donc, cette fois-ci, on y allait parce qu'il nous fallait un pot de peinture pour acheter la porte à la salle de bain. Bon, après, j'avais repéré deux, trois petites choses sur les vidéos de Jolie. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir. Elle fait tous les arrivages Action et compagnie. Il y a Noz, il y a Stogomani, il y a Jiffy, enfin il y a plein de magasins. Elle fait même Aldi, Lidl et tout ça. Et je me base beaucoup sur ses vidéos pour voir un peu les nouveautés en même temps que je reçois les mails de chez Action, tout simplement. Donc j'avais repéré deux, trois petites choses, notamment la déco d'automne. Donc on va passer au haul. D'abord je vous montre, j'ai été après chez Cora comme d'habitude et faire les courses et il y avait un petit stand, un petit coin, pas solde mais vraiment petit prix. Et du coup on a pris deux plats à salade avec des couverts. On a pris d'abord, donc ils sont en forme carrée, on a pris celui-ci et un blanc et un gris qui fait plus un peu gris clair. Bon, après il est griffé celui-ci, c'est dommage, mais voilà, ils sont hyper lourds. Par contre, je ne sais pas si c'est marqué, je crois que c'est des 1,7 litre. Ah non, 350 centilitres. Mais pour faire une salade, quand on reçoit de la visite et tout ça, je sais plus le prix, mais je crois qu'ils étaient à 1,99 €. Et du coup, j'ai pris deux lots de couverts à salade pour aller avec. Ils étaient, je les trouvais très beaux. Et ils sont à 99 centimes le lot. Bon, c'est gadget, hein, ça tiendra pas très longtemps, je pense. Mais voilà, je les ai trouvés très beaux. Et la prochaine fois que j'ai quelqu'un qui vient manger à la maison, on aura des jolis plats. Alors, chez Action, on va passer aux deux grosses choses. Je voulais absolument ces petites tables gigognes. Alors, elles sont très petites, hein, c'est vraiment pas très grand, mais je vais recevoir... une table en plus que j'ai commandée sur Temu, donc ça sera très bien. Et voilà, chérie les a déjà installées, sinon je pourrais pas vous le porter comme ça le carton. Et on gagne un peu de place dans le salon. J'ai la gorge qui me gratte. Et je les ai pris dans cette couleur-là, il y a plusieurs teintes, hein. Il y a aussi un peu plus acajou comme ça. Et j'avais repéré sur le site, sur la chaîne de je ne sais plus qui. Ceci, c'est le Turbo Scrubber. Donc, c'est une brosse nettoyante automatique. Vous avez trois têtes différentes. Le manche est télescopique. La prise. Et ça, je ne sais pas, c'est quoi. Bien, bref. Et j'ai hâte de tester ça. Donc, vous voyez ici la longueur. Donc, ça va jusqu'à 110 cm. C'est idéal pour les joints, le gaz, la voiture, notamment les enjoliveurs et tout ça. Et la salle de bain. Donc voilà, je l'ai pris pour ça principalement. Mais ça va m'aider aussi à nettoyer un peu plus en profondeur mon gaz, mon évier de cuisine et tout ça. Puisque c'est des endroits que j'ai du mal à frotter en règle générale. Donc en ce moment, je passe beaucoup à tout ce qui est automatique. Et pour le prix, si ça fonctionne, je serai heureuse. Alors, ça, c'est mon ticket qu'il ne faut pas que je perde pour vous donner les prix à l'écran. Alors, j'ai pris que je vais essayer de montrer discrètement parce que Yuki a sa tête au-dessus du sac. Non, 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 je ne te prends pas, Yuki. Je leur ai racheté un joujou. J'ai craqué dessus. Voilà. Ils vont s'éclater avec ça. Il y a 5 poêles à l'intérieur. Donc, autant vous dire... Ça y est, il l'a vu. Autant vous dire que ça va m'énerver, mais ils adorent... Les jouets en peluche avec des pouettes tous les deux, ils se battent souvent et tirent d'un côté et de l'autre. Donc je vais pouvoir leur donner tout à l'heure, enfin, dès que j'aurai fini de tourner le haul. Alors j'ai pris... bon attendez, celui-là il est coincé. Hop là. Je me suis pris des Mellow Cakes, le lot de 6 Mellow Cakes. Je les prends de temps en temps... tout simplement parce que j'adore ça. Mais j'en prends pas à chaque fois parce que je vous fais 6 d'un coup en fait. Chérie s'est pris 2 paquets de tuc crème et oignon.
Si vous aimez les chips crème et oignon, les tucs sont super bons. Ils sont vraiment extra. Et pareil pour ceci. Il faudra que je l'en pique. C'est des pizza mix de chez Trick. Vous avez 200 grammes, donc 300 grammes. Et c'est des bretzels et des petits toasts, mais pas bretzel. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un peu chips soufflé au goût pizza. Et ils sont succulents. Franchement, c'est extra bon. Ils sont trop bons, ces trucs. Donc, on y allait de base pour cette peinture-là, pour la deuxième couche de la porte et le chambranle de la salle de bain, puisque Jerry est tombé à court du premier pot, et il veut repeindre l'extérieur de ma porte de bureau, justement. Donc, voilà, c'est une satin. La peinture Spectrum chez Aldi, chez Action, est géniale. Franchement, elle est pas chère et vraiment géniale. Je vous la conseille si vous avez des travaux. Et il lui fallait également du White Spirit, donc il a pris un litre. Je crois que c'est un litre. Ouais. Voilà, tout simplement. Non, Yuki! On a repris les fameuses friandises pour les chiens, puisque on prend tout le temps les friandises là-bas. Surtout celles-ci, elles sont pas chères pour le stock qu'il y a. Je me suis pris un plateau. Alors, je ne sais pas si c'est en bois de manguier ou autre. Je ne sais pas les livres. Non, je pense pas, je sais pas lire du tout. Je n'ai pas la taille non plus, mais je trouvais que c'était une belle taille pour mettre sur ma table de salle à manger, pour mettre ma déco. Je vais pouvoir mettre ma déco de printemps qui est sur ma table pour l'instant, mais j'ai rien pour mettre dessus, donc je vais mettre là-dessus. Et j'ai pris de la déco d'automne pour mettre après dessus. Enfin, je vais vous montrer après, je veux dire. Toujours dans les friandises chiens, j'ai repris les XXL pour le gros parce qu'il les adore. Et j'ai pris un lot de deux jumbones pour les deux petits parce que voilà, tout simplement j'ai pris ça. Je voulais un gros jumbone pour le gros parce qu'il aime bien aussi, mais il n'y en avait pas. Toujours pour ma déco, donc là c'est plus déco de maintenant. Je me suis pris une orchidée dans ce vase là que j'ai trouvé très jolie. C'était pas celle que je visais de base. Mais je l'ai trouvé quand même super joli, donc je prends des fausses fleurs parce que j'ai envie d'un peu de fleurs dans ma maison, mais je les tue. Voilà, je suis une céréale killeuse de plantes, donc je n'achète plus des vraies. J'adore les orchidées, mais je n'en achète plus des vraies puisqu'elles ne tiennent pas chez moi. Au bout de 3 jours, elles sont décédées et j'en ai tué un paquet. Alors, avant de terminer avec la petite déco, j'ai trouvé quelques perles. Donc j'ai pris 3 sachets, bon là il n'y en a que 2, mais j'ai pris la même couleur pour pouvoir faire une grosse pièce de rocaille. Il y a 30 grammes à l'intérieur en argenté, comme ça. Voilà. Et c'est peut-être pas le même prix. Si, il n'y avait que cette teinte-là de toute façon. Donc ça pourra me faire une plus grosse pièce. Et j'ai craqué sur celle-ci, 30 grammes également. Voilà, je les ai trouvées très jolies, un peu effet marbré comme ça. Je les ai trouvées très belles. Donc, ensemble, ça ira même très bien. Je vais pouvoir faire un beau truc. Et j'ai également pris ce lot de 4 boîtes. Alors, je sais que maintenant, on les achète pour ranger ses strass des Diamond Painting. Moi, c'est pour ranger les restes de perles et tout ça, ou les perles que j'ai en sachet, quitte à les mettre dans 2 encoches d'un coup. Mais j'ai reçu des perles en sachet et c'est extrêmement chiant, ou même ce genre-là. Je vais pouvoir les mettre à l'intérieur pour avoir plus facile à les retrouver et pas devoir fouiller dans un gros pot, parce que j'ai horreur de ça, ça fait du bruit de fouiller après les perles. Et pour la déco d'automne, donc j'y allais spécialement pour ça, moi, hein, enfin pour la brosse nettoyante et la déco d'automne. Donc d'abord, dans ce petit lot ici de déco, j'ai pris un petit champignon et une petite citrouille. Voilà. Et dans le plateau, ça sera plutôt joli, avec ma petite bougie de saison. J'ai pris 2 comme ceci, un peu plus grosses, ça c'était dans une autre collection. Allez, suffit. Et voilà, elle est en verte aussi. J'ai pris juste dans les teintes orangées parce que c'est vraiment ce que je préfère dans l'automne, c'est les couleurs. Et pour terminer
j'ai pris ce petit champignon parce que j'ai craqué dessus. Je le trouvais trop mignon. Et voilà, le petit champignon avec les petites citrouilles. Bah, il y a ce petit champignon-là aussi. Dans le plateau avec ma bougie de saison. Et je trouve que ça sera très bien comme petite déco saisonnière sur ma table de salle à manger. Voilà. Mais avouez qu'il est trop beau. Et la bébé citrouille. Ouf, il est pas cassé. La bébé citrouille. Trop belle. Bon, attendez, je ramasse mon champignon. Oh, il n'y a même pas un trou dedans. C'est du costaud. Donc voilà ce qui conclut ce petit haul action. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer parce qu'il y a pas mal de nouveautés, surtout la déco d'automne. La brosse, si vous la trouvez, moi c'était la dernière, j'ai eu trop de chance parce que je la voulais vraiment. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvée, de l'avoir trouvée tout simplement, c'était la dernière dans le rayon. Et voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.